À cette altitude, un cap est franchi. Le rythme s'est ralenti, le souffle est plus court. Donc on marche doucement, doucement, pour nous habituer à l'altitude. L'ascension continue en dents de scie. Abeid alterne les montées et les descentes pour aider l'organisme à s'adapter à l'altitude. Après 2 jours dans la brume, le sommet du Kilimandjaro apparaît furtivement. On est petit, il est grand, il est loin, il est haut, et on est petit.